Mes highlights, je vous retrouve enfin en fin de journée. J'ai enfin reçu mon petit colis Boozy Shop qui se trouve ici, mais pas que, j'ai oublié quelque chose. J'ai aussi reçu de la marque, Saturday Skin aujourd'hui, hein. Le petit gel moussant nettoyant de la marque. J'avais testé en miniature, je vous avais présenté un kit qui coûtait 20€ que j'ai pas encore terminé. Pour ne rien vous cacher, il me reste encore un petit du soin contour de l'œil. Il est quasi fini, hein, en fait. J'utilise tous les soirs. Vous voyez juste au-dessus, là, j'ai mes petits tableaux de projection. Ça, j'essaierai de vous en parler dans une autre vidéo. Et on va déballer ensemble mon petit colis Boozy Shop. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris, mais je crois que je vous en avais parlé. Waouh, c'est trop bien emballé. Alors, je m'étais pris aussi un petit kit de pinceaux. Donc, le kit de pinceaux, c'est 14 pinceaux de luxe pour les yeux de la même marque, hein, de la marque Boozy Shop. Je me suis dit, tiens, je suis toujours en train de tester des nouveaux pinceaux. Vous savez, mon addiction pour les pinceaux. Et là, c'était un petit lot comme ça qui coûtait de mémoire 19€. Et dedans, j'en ai 14. Donc, je trouvais ça, voilà, je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Un peu, désolé pour le bruit. Un peu comme pour les pinceaux, vous savez, de... qu'on trouve sur Ali. Et il y a un petit peu de tout. Ils m'ont l'air plutôt de bonne qualité. D'après ce que j'ai vu au niveau des avis du site, ils disaient qu'ils avaient une aussi bonne qualité que ceux de chez Sigma ou de Zoeva. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ils ont l'air vraiment pas mal, hein. Ils sont pas petits. C'est des bonnes tailles de pinceaux. Donc je suis très très contente de les avoir achetés ceux-là. Et je suis étonnée, je crois pas l'avoir vu dans ma commande puisque j'avais pas commandé de... Oh, c'est bien emballé, vous avez ça dans une petite pochon. Thank you Peggy avec un petit mot. They're high pretty, je trouve ça super bien emballé. Et bah, y a une palette apparemment dans le truc alors que j'en ai pas commandé. Ah, c'était peut-être un cadeau. Bon bah écoutez, je me retrouve avec une palette alors que j'en avais pas commandé. Mais je crois que c'était le cadeau. C'était le cadeau. Bon bah j'ai pas fait gaffe à ça. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai une palette en plus les gars, tant mieux. La palette, c'est une palette Makeup Revolution. C'est la Pretty Incredible. Waouh, elle est jolie en plus, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est plutôt mimi comme tout. Petite palette sympatoche ça. Ça c'est pas mal pour partir en vacances, en week-end. Ah, je vais la garder. J'avais envie de vous l'offrir, mais franchement, je la trouve trop sympa. Désolé les gars, je la garde. Elle est vachement sympa. Pretty Incredible. Non, non, elle est vraiment jolie. Ah, elle est fermée, scellée et tout. Ah, oh, je suis trop contente. Et en fait, j'ai commandé pour des concealers, je vous l'avais expliqué. Je ne suis pas censée acheter de maquillage du tout cette année, je vous l'ai dit. Je fais avec ce que j'ai et quand je n'ai plus, je rachète. Il se trouve que, vous le savez toutes, j'ai eu un souci de concealer pendant ces derniers mois où ça m'a fait des trucs. Il fallait que je change tout totalement et de toute façon, j'avais plus du tout de backup concealer. De manière générale, moi, c'est ce type de produit, les concealers, je les finis assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, allez, 2 mois, c'est plié. Je n'avais jamais testé ceux de chez Makeup Revolution, les Fast Base Concealer. Donc j'ai pris la teinte C16. C16, donc qui est la couleur de ma peau, et C13. Et je trouve ça pas mal. Je prends plus les couleurs trop claires. J'aime bien prendre aussi couleur de ma peau pour un effet moins bright au niveau du dessous d'œil. Et j'ai repris des Oldie But Goodie. Vous le savez depuis très longtemps. Ce sont mes concealers chouchou, je les ai beaucoup rachetés. J'ai une teinte très foncée, je crois que c'est la teinte Expresso, mais j'ai oublié, Deep ou un truc du genre, qui me permet entre autres de faire mon contouring. Donc voilà le produit. Donc mes highlights, je vous disais avant qu'on soit coupé, très contente de cette petite commande. J'ai repris mes anti-cernes. Je vous en dirai des nouvelles pour le Fast Base Concealer, parce qu'il semblerait que ce soit des dupes de ceux de chez L'Oréal, je sais plus lesquels, là je vous mettrai une photo si j'y pense. Voilà. Très contente. Donc là, c'est sûr que je n'achète pas de maquillage. De toute façon, je ne suis pas sincère d'acheter, comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, c'est trop mignon. C'est bien présenté avec le petit pochon, la rose fuchsia. De toute façon, je suis vraiment ravie de ma commande. De toute façon, j'avais commandé juste pour ça et puis pour les pinceaux. Donc les pinceaux, je les testerai, je pense, dans une prochaine vidéo blabla. Ça, c'est sûr. Et je suis très contente de ces pinceaux. Je suis toujours en recherche de nouveaux pinceaux pour les yeux parce que... j'en utilise énormément, donc ça, c'est pas perdu du tout, bien au contraire. Voilà, je vais vous parler brièvement de ce que je porte sur les yeux. Je vous mettrai la palette qui va remonter juste ici avec toutes les couleurs numérotées.
Et puis au niveau de l'highlight, normalement vous l'avez vu dans ma vidéo blabla, puisque je vous ai fait une vidéo blabla ce matin. Et là je suis maquillée jusqu'là, il est 18h je crois. Donc je suis maquillée depuis déjà 10 bonnes heures. Donc je suis contente, j'ai bien bourlingué aujourd'hui. J'ai pu faire tout ce que j'avais à faire, sauf pour mes cheveux, puisque je voulais resserrer un petit peu mes locks qui sont encore un peu humides. Donc j'ai essayé de le faire ce soir en regardant le film, et puis voilà. Je vous embrasse très fort mes highlights. J'espère que cette petite vidéo, désolée pour ma coupe en as de pique qui ne ressemble absolument à rien, vous aura plu. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très vite. Salut.